Bonjour à tous, mon nom est Jean-Claude Welch, je suis musicien et professeur de musique. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment réaliser les mouvements et le rythme de la chanson When I'm Gone, connue aussi sous le nom de Cup Song. Je vais vous les montrer le plus exactement possible comme l'actrice Anna Kendrick le fait dans le film Pitch Perfect. Alors, pour réaliser cette chorégraphie, vous avez besoin d'un gobelet en plastique le plus solide possible, assez grand pour pouvoir le prendre dans la main. Vous le posez devant vous, un petit peu sur la gauche. Okay. Les mouvements se composent de deux parties. Je vous montre d'abord la première. Vous frappez dans les mains deux fois. Et puis trois fois sur la table. En commençant par la main gauche. Okay. Si vous le faites par terre, vous pouvez taper sur le gobelet. Mais dans le film, c'est sur une table. Donc, main, main, tap, tap, tap. Main, main, tap, tap, tap. Main. Ok, passons à la suite. Vous frappez une fois de nouveau dans les mains. Vous prenez le gobelet de la main gauche, donc à votre droite, mais de la main gauche, et vous le déplacez, vous le posez toujours devant vous, mais sur votre droite. Ok, je remonte. Main, prendre, poser. Ok, je vous invite à le faire trois fois avec moi. Main, prendre avec la main gauche, poser. Main, prendre, poser. Main, prendre, poser. Ben, nous avons déjà terminé la première partie du rythme. On refait le tout, je vous remontre une fois. Main, 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 prendre, poser. Ok? Trois fois avec moi. Main, 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 prendre, poser. C'est trop vite. Main, 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 prendre, poser. Main, main, tap, main, prend, poser. Continuons avec la deuxième partie du rythme. Vous frappez une fois dans les mains. Et vous venez avec la main gauche, donc celle qui est à votre droite, prendre le gobelet dans sa partie droite. Donc vous devez exercer une torsion du bras. En fait. Okay. Vous frappez ensuite dans le creux de votre main droite. Et vous déposez le gobelet sur son tranchant. Je remonte lentement. Main. Prendre le gobelet, le fermer et le poser. Okay. Je vous invite à faire trois fois le mouvement avec moi. Main, prendre, fermer, poser. Main, prendre, fermer, poser. Main, prendre, fermer, poser. Ensuite, vous changez de main. Il était à la main gauche. Placez à la main droite. En fait, vous posez simplement le fond du gobelet dans le creux de votre main. Vous venez avec la main gauche, frappez devant vous, un peu sur la droite, donc en faisant une croix, et vous passez le gobelet par-dessus. Je remonte. Le gobelet était à la main gauche, vous le passez à la main droite, vous frappez avec votre main gauche devant vous sur votre droite, et vous tapez le gobelet. Ok ? Refaisons trois fois cette partie de mouvement. Gobelet à la main gauche. Changer. Tap. Poser. Changer. Tap. Poser. Changer. Tap. Poser. Refaisons toute la deuxième partie du rythme. Gobelet sur la droite. Main. Prendre. Fermer. Poser. Changer. Encore une fois. Main, prendre, fermer, poser, changer, tap, poser. Bon, nous avons terminé. Vous vous souvenez de la première partie du rythme? Allez, je vous remonte le tout lentement. Main, main, tap, 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 main, prendre, poser. Main, prendre, fermer, poser, changer, tap, poser. Je vous invite à le faire trois fois lentement avec moi, puis à essayer de le faire trois fois rapidement. Main, main, tap, 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 main, prendre, poser. Main, prendre, fermer, poser, changer, tap, poser. Je me tais.
Plus vite. C'est plus facile, plus vite. Si vous faites des nœuds avec les bras, pour l'instant, c'est tout à fait normal. Avec un peu d'entraînement, ça va venir. Voilà, c'était le premier tutoriel sur la cup song. Il y en aura d'autres, car j'ai l'intention de mettre un rythme de guitare et du piano là-dessus, et peut-être même des instruments que vous ne connaissez pas. Si vous avez trouvé les enseignements de cette vidéo utiles, je vous suggère de les partager, mettre un like, écrire un commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt.